Salutations YouTube. Nous allons essayer de débloquer des choses avec Lazarus qui a juste fait Mom's Heart en hard et le green mode. Allons-y. Et l'énigme de la porte peut-être un jour en effet. Merci monsieur White 44 pour le prime. Cellier 1. Alors c'est vrai que Lazarus a un revive et il revient meilleur. Mais je le tue jamais, jamais le réflexe. Peut-être que sur un... Bravo! Peut-être que sur un Devil Deal, faudra le faire. Un Devil Deal avantageux. C'est une run bombe. Eh bien, pourquoi pas. Peut-être une run Bob. Transformation Bob, hein. On joue Bob's Brain. Reset? Non, on reset pas. On reset très rarement. On reset sur des XL. Mais si on a eu un run incroyable avec Samson en startant Bonnet Dan. A partir de maintenant, bon, on n'a plus vraiment d'excuses pour reset. Hein. Allez, on piffe même les pilules, c'est la folie. Le sniper, please. Oh, ouais, 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 ouais. Ok. Oh. Mister Me. Mister Me, c'est délicieux, hein. Peut-être une secret room remplie de pognon. Mister Me qui permet de voler des Devil Deals par exemple. Et d'ouvrir des passages. Ça sera en bas là, secret room. À gauche ici. Ok, une reroll machine, mais on n'a pas d'objet. Donc c'est dommage. Voyons voir. On voyage, attention, hein, le violet il enlève un point de vie intégral. Ennemi d'élite, ennemi coloré. Un champion. Là. Secret room, possiblement là en bas. J'ai 5 bombes, on peut peut-être tenter une dingue. Ça serait bien d'avoir des cœurs bleus. Pour basculer vers le deuxième étage, il y en a un ici, j'ai pas d'argent. On va tenter là, on va même tenter... Bah non, je suis con. C'était pas possible. Shot speed. Elles sont pareilles. Il est tout petit, il est tout petit. Mais non. Il y a de la neige. Oh. Attendez, je vais voir, il y a de la neige. J'arrive YouTube, il y a de la neige. Re YouTube. Il neigeait. Ah, je suis toujours en slip. Ah, je suis tout petit, hein. J'ai des bombes, oui, c'est formidable. Ah bah voilà, peut-être avec un peu de chance, nos cœurs bleus pour la... Heureusement qu'on est rapide, hein. Bon, j'ai eu une pilule shot speed down, mais vu que j'en ai eu deux shot speed up, c'est OZF tiers. Tout va bien. Ah, imaginez avec Maggie, là. Le plaisir, hein. Alright. Formidable. Quoi qu'il arrive, on prend pas le premier down pour, maintenant on sait. Où il y a trois flocons de merde, on est d'accord. Burning Basement, c'est jamais rigolo. Calmez-vous. Calm down. Oh, ouf.
Oh là 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 là. Magnifique. Les petits pyjamas. Plein de cœurs bleus. Au secours, au secours. Est-ce que... Non. Bon, je vais pas me faire chier à essayer de l'amener en bas à droite, hein. Quoique. Non, va là-bas. Va... Ok, j'en ai plein le cul. Ah bah voilà. On est pas mal niveau vie. Oh, par contre, quand j'ai droppé le pyjama, j'aurais peut-être dû prendre la décision de le tuer. Ça, c'est con. Ouais. C'était l'occasion parfaite. J'aurais dû le faire revivre en meilleur. Même s'il avait qu'un cœur bleu-rouge. Ah, ça, c'est très con. J'aurais perdu le DD. Ouais, ouais, mais bon. Allez. Ah. C'est vrai, c'est vrai. Je l'aurais eu aux étages d'après, quoi. Alors, comment ça dropper des frames ? À laguer des frames ? J'ai toujours pas trouvé l'objet. Oui, je sais qu'il y a un rocher marqué, mais je suis full life. Attendez. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de small rock. On va pouvoir prendre le coffre piégé. On va pouvoir tout prendre en vrai. Urgh. Allez. Pas ouf. Momzai, en plus j'ai moins de luck avec lui. Ah non, c'est Inner Eye, ok, c'est ouf. Je croyais que c'était Momzai avec qui tire derrière. Pilululu. Mais pourquoi ça lag? En plus, ça change rien que je change le PC en slow vu que... Enfin, que je le remette en machin vu que c'est du encoding lag. Donc le encoding lag, normalement, c'est seulement le GPU, quoi. Et si je fais CTRL ALT SUPRE et que je mets le gestionnaire, je verrai que le GPU il bouge pas du tout. Tu as 7% de mémoire, 10% de processeur et 30% de GPU, donc je comprends pas. Ça me bute. Ça me bute. Un jour on trouvera la solution, je vous jure. Merde, j'ai même pas essayé de trouver la secret. Moi, je trouve ça réglo. Ok. Attendez, est-ce que je rusherai pas? Vas-y, vas-y, on va retenter un boss rush là, parce que ça commence à snowball vénère.
Ah et par contre il met 8 ans, mais c'est un triple brimstone, donc let's go quoi. En fait là la question c'est est-ce que je veux faire mother en sachant que j'ai possiblement encore un quadruple unlock. Je pense que j'ai pas envie de faire mother quoi dans ces cas-là. Parce que là je peux faire boss rush hush Isaac Blue Baby. Non, faut que je fasse le quadruple. On va bourrer. Alors. 8 minutes. Bon, le problème, c'est que ça prend 150 ans à charger ma merde, mais quelle merde. Par contre, j'ai que 350 en dégâts, donc c'est fort, mais il faudra encore pousser. Surtout pour aller vite. Oh, il est en Little Brimstone. Quoi ? Ça c'est nice pour rusher. Incubus qui reproduit mes tirs. Ils veulent que je le prenne le matchstick, hein. La rage de Samson, elle est en Devil Deal maintenant. On me l'a jamais proposé, donc j'hésite. Mais j'aurais plus de cœur, quoi. Je crois que je l'ai pas eu encore. Je l'aurais pas pris normalement, mais je suis convaincu de pas l'avoir eu. Je suis cave, catacombe 1. Est-ce que je... Bon, je vais chercher l'objet quand même. J'ai pas trop grid. Un cœur bleu au shop, je prends. Ok, fuck. Je prends les 5 pièces. J'ai débloqué la partie d'avant. Ah, ok. C'est une rage incroyable. Le problème c'est que oui, il y aurait moyen de cheat ça avec des machines de don du sang, mais là ouais, j'ai plus de cœur rouge. Ouais. C'était un mauvais Devil Deal, hein. J'étais pas censé le prendre, c'est vraiment pour l'unlock, pour la collection. Ensuite si je refais, je rebuild une armée de cœurs bleus slash noir avec une bip satanique ou un Book of Révélation, ça va devenir complètement insane. Hein, mais... Oh là là, c'est le Keybum. Je crois que je l'ai jamais pris, donc je le prends. Quelle horreur. Lui, il va essayer de bolosser mes clés à l'infini. Grosse ambiance. 10 minutes, allez, on avance. Ah ouais, l'objet de gauche, c'est du l'effet de peur au corps à corps, donc c'est vraiment pas mal. La plupart, tous les ennemis qui sont pas des boss, qui vont essayer de me rush, ils vont être pris d'effet de peur. Pris de peur quand ils arriveront vers moi. Du coup... Très bien. J'avais déjà pris la rage de Samson. Celui de gauche, je sais que j'ai déjà pris, mais j'ai juste repris parce qu'il est excellent. Oh non. Oh non, Bob's Brun. Il s'est transformé en Bob's Brun, j'ai vu, hein. Il va voler les clés, il va voler les clés, attention. Allez hop. J'équilibre ma luck. Ouf. Friends till the end. Incroyable ça. Une malédiction, dès qu'un cœur noir, on est content.
typiquement là, l'effet de peur, ça m'a empêché de prendre des dégâts. J'ai pas trouvé mon objet, c'est ça? Combien de temps? 12 minutes 27? Merde, putain. Luck way up, don't lose it. Ah oui, j'ai plus 10 en luck. Et si je me fais toucher, il est détruit. Et là, j'ai 9 parce que Lazarus commence à moins 1. Ok. Ah oui, avec The Lost, ça doit être insane. Si ça compte pas sur Holy Mantle, ouais. S'il se détruit pas sur une touche Holy Mantle. Je suis une merde. Ok. Allez, le doigt accusateur. Ah, si t'avales le trinket? Ah, j'avoue. Ouais, non, mais tu dois avoir le même effet. Ouais, je voulais tellement bait l'autre qui s'ouvre que je me suis approché. Ça fait avec l'autre fois, il se détruit jamais avec The Lost. Ah, fort. On a toujours pas débloqué The Lost. J'avais une occasion de le faire, mais le run était tellement bon que j'ai refusé. Minutes 23. Je suis une merde. C'est pour ma rage de Samson, hein, merci. Charge tellement lente. Oh, le backpack. Pas sûr que ça fonctionne avec Brimstone. Et Nithia, ce qui permet de gagner de l'argent en envoyant des larmes. Ça marche. Ça marche même bien. Je pourrais avoir deux objets spacebar. Le coche. Je vois rien, je vois rien, je me fais toucher par tout le monde. Au plaisir. Multidimensional Baby, si je vomis dedans, c'est un DPS complètement déglingo, mais pas sûr. Salle de droite, c'est le mausolée, c'est des niveaux alternatifs qui viennent d'Antibirth. Et jusque là, on veut faire une run standard. Ah oui, cette fameuse porte. Ditrine. Voilà. Ok. Bon, du coup j'ai bypass l'item room de la salle d'avant, mais vu que j'essaye d'avoir le boss rush, tant pis.
16, 30, ok. Une salle géniale pour mon build. Oh, je suis une merde. Ah, Limote only. C'est vrai que j'ai réussi à me souvenir et à résoudre les énigmes d'anti-burst, mais celle-ci, je l'ai pas. Hein. C'est bien ça, je crois. C'est le belly button. Double trinket. Oh, de beaux trinkets. Merde. Paperclip qui nous permet d'ouvrir les coffres dorés. Merde. Charge. Vas-y, mange si tu veux. Merci. Bof, pas que. Je suis quand même gagnant. J'ai gagné 0.3. J'aurais peut-être dû le prendre, ce Devil Deal. Du coup, j'ai pas le polar. Oh, ils me font ça, sérieux? Ok, donc le Headless Baby, faut aller dans les pics. Enfin, ça, c'est... Ça va marcher avec Brimstone, ça, le Sulfuric Acid? Pour casser des murs. Je pense que je vais le prendre quand même, parce que c'est un petit damage up. Et mon Brimstone, en fait, il est un peu faible, hein. Le Brimstone le plus taré qu'on ait vu, hein. Et encore, il est triple, sinon il serait vraiment faible. On va se faire 99 pièces par contre. Timony Equal Power un jour, ça pourrait être sympa. Oh putain, il était pas chargé, au secours. Il y a un pin là, ouais, il y a un truc. Oh, le sniper! Je suis terriblement faible, hein, en vrai. Ah oui, du coup, il vise son pote, énorme! Pas si bien, hein. Tout à l'heure, ils m'ont droppé plein de cœurs bleus, là, c'est pas le cas. Oh, la Carrion Queen, si on pouvait éviter. Ah, j'ai Little Monstro. Okay. Merde, putain, j'ai cancel. J'ai re-cancel, je le fais exprès, je pense. Elle va me lâcher du caca rouge partout. Le sale bail. Une merde? Oui.
crée un personnage, je pensais qu'il était pas mort. Les caca de mort là. Pour le Meat Boy 4. Delirium qui régale. Jusqu'à Bob's Brain bien sûr. Qu'est-ce que c'était que ça? Il fait ça lui? Bien qu'il arrête. Je déteste ma life. Je suis tellement faible. Incroyable que c'était mieux tout à l'heure. J'avais le Book of Shadows aussi. Et le couteau. Forcément. Merci l'effet de peur. Oh merde, j'ai cru que j'allais charger, au secours. Superbe. Mais sérieux, c'est l'araignée qui me bolosse quoi. Je suis pas énervé. Bah dommage que ce soit pas le mendiant du pognon du coup. Oh putain, tout ça pour débloquer cette atrocité. Ah. Ok. Compliqué. Merci. Missing Number qui a un bon objet qui pue le sexe. À chaque étage, notre perso se fait reroll. C'est souvent des builds improbables qu'on obtient. Au secours. Putain, mon tir rate si long, on va mourir. Hein. Je vole pas? Non, dommage. Ah, ça marche donc. En plus le boss rush il a pris 1000 ans là, le hush ça va être chaud non? Ouais, en termes de timing c'est de la merde de toute façon là. Hein. Absolument incapable de battre un The Hush. Si c'est un Hierophant, est-ce que j'ai pas intérêt à piffer ma vie? Des cœurs noirs, let's go. Oh le tears up qui fait plaisir. Oh, Magicienne avec Brimstone, c'est incroyable. J'ai
au lieu de la claquer comme un idiot. Oui, c'est vrai que j'ai j'ai le sac à dos et j'ai aucun objet activable. Et ça, c'est fort. Oh yes. Rocher marqué. J'ai un Z-Empereur. Hein. Pendant le reroll. Non, je voulais pas prendre ça, mon dieu. Ok. Le 1, ça reroll mon perso, je crois, un truc horrible. Ok. Faut que je trouve le boss là. Ok, parfait. Je pense pas qu'on va tenter The Hush, mais si on veut le tenter, on peut. Oh mais non, mais par contre le cœur éternel qui va m'empêcher d'avoir le Polaroid, c'est une dinguerie ça. Sauf double Devil Deal, mais... Prends moyennement. Je suis là d'accord, mais la tâche d'après... Bah même pas. Perdre du temps ça. En pointant. 28-23, ça va. Mais non, mais du coup mon Z-Empereur il est passé à la trappe parce qu'il est dans le Devil Deal. LOL, non c'est bon. C'est vrai qu'il la laisse ouverte. J'ai l'impression quand on se téléporte hors. À chaque fois je reviens, elle est ouverte. Massif Fear Tiger pour le prime. Et le doigt accusateur, merci. Oh, le DPS vous manque, hein. Alors qu'avec quelques damage up, ça serait réglé, hein. Ça va, ça va. Little monstre. Pas de Devil Deal, j'ai ces cœurs bleus, là, de l'horreur. Go. Combien de clés? Assez, j'espère. C'est juste le roll à 37% qui est repassé. Ah ouais, putain. Ah mais ce serait bizarre comme un... Là qu'on pourrait retryer... Oh! Imaginez un petit... Un petit story roll. Donc ça on sait que c'est de la merde. Ah mais ça veut dire qu'elles sont blindées mes brimstone. Alors si on veut se faire chier... On va se faire chier. Petite échelle de corde là. Ça se fait, non? Oh là là. Pas de rire. Quel dommage. Pas de refresher. Alors là, je sais pas quoi prendre. Tech X Brimstone. Probablement.
Je sais pas pourquoi j'ai pris ce cœur rouge d'ailleurs. C'était juste pour dire que je pouvais le prendre. Oh les beaux donuts. J'ai pas... Ah si ! Ça marche ! Ça marche d'envoyer des mini onion rings ! Ah oui ! Je suis pas obligé de tout charger. Incroyable. Les DPS vous manquent. Ah mais là, ce qui est dommage c'est que j'ai la shot speed en fait. Oh je suis rien. Je vais voir si je charge entier. Ah ouais mais non mais en fait je perds du DPS. Ah oui mais... J'ai les larmes blindées. Ah mais attendez, les shielded tirs ça marche ou pas? J'ai l'impression que ça marche quand c'est full chargé mais sinon qu'il me troll un peu. Elle passe celle-là. Normalement c'est pour ça que le combat contre H va être confortable, c'est que j'ai les trucs blindés mais j'ai l'impression que la hitbox est un peu nulle. La hitbox de mes onion rings. Attends, reste en haut et je te les envoie en haut. Et ils persistent. Oh, c'est free. Oh, c'est free. On annule tous les tirs. C'est dommage qu'il n'y avait pas un store refresher. Quand même dommage, non ? Oh là là, magnifique les onion rings, c'est incroyable. Les onion rings blindés. Oh ouais, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un story fresher, on aurait pu faire quelques emplettes. Hein. Débloquer quelques trucs. Il y a une machine à dons, oui, on va pouvoir remettre un peu. Hein. Je vais avoir une ampoule au pouce, mais c'est très plaisant. Moi, je trouve ça réglo. Quand même, ce petit story refresher, quelques regrets. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas des lucky coins? Oh, j'ai l'impression que ça donne pas de luck coin. C'est dommage. Ça serait trop cheaté en même temps. Si avec Penny Tears on pouvait farmer les Luck Coins. Enfin, MT Vessel, on débloque vraiment des objets de chiasse. Hein. On est bien d'accord. Hein.
pas de luck coin. On y a un tout à l'heure? Ah, pas là. Feels bad, man. Oui, j'ai eu un lucky coin, mais pas via les pénitiers. Sinon, ça serait trop cheaté, ils ont pas mis. Il peut pas y avoir une secret ici, là? Une super secret? Ah non, il n'y a aucun lucky coin. Hein. Feels bad, man. C'est pas une Mintos, non. Il est hors de question qu'on la mette à 1000. Par contre, la garder près de 1000, si en effet à la fin il y a un achievement par rapport à ça, why not? À 1000, bah elle pète. Il reste plus beaucoup de thunes, voire plus de thunes. Il y a plein d'argent dans la salle après, hein. C'est rigolo à voir, mais un peu décevant quoi. De plus avoir cette possibilité d'aide financière sur l'intégralité des runs suivants. On peut pas avoir Penny Tears en green mode, non? C'est un objet... Ça serait cheaté. Ah, peut-être avec une énorme moule dans un coffre doré... dans le shop. Si, on peut. Ou avec KO, probablement. Ah oui, bah oui, forcément. Oh, ça m'emmerde, mais bon. On est dans une démarche d'unlock, hein. C'est pas comme si je manquais de pognon, là. On me donne l'occasion d'en faire quelque chose. Oui, en pétant les marchands, ouais. Oh là là, le bro! Oh bah, tu vas t'éclater, mon gars. Tu vas t'éclater. Par contre, on est d'accord. Ah si, il donne des trinkets quand même. En fait, je me demande jusqu'à quel point il peut me donner des trucs bien. Jamais il me donnera d'objets sur piédestal. Oui, il va me donner des clés, des bombes, des cœurs. Il donne des trinkets, quand même déjà bien. Ah, quel dommage qu'il était pas là pour le combat contre The Hush. Ah oui, ça c'est... C'est une invulnérabilité plus longue. Faut que je les touche tous d'ailleurs. Je sais pas si j'ai besoin de les toucher, les trinkets, mais je crois. Piercing shots, c'est déjà le cas, hein, spoilers. Ah, le pouvoir des Onion Rings. Pas les trinkets? Ah, les trinkets, ça compte absolument pas dans la collection. Ah oui, donc même pas besoin de se faire chier au final. Bon, allons-y alors. Je crois que c'est peut-être une info de chat. Hein. Attention aux infos de chat. Hein. Aïe. Je ramasse pas les cœurs rouges parce que j'ai envie d'avoir l'effet de mon Polaroid
qui fait que quand je me fais toucher... Oh là là, il s'est gavé. D'accord, très mal lu. Ouais, sauf qu'on sait que ça c'est plus un safe spot. Mais oui, le Polaroid, donc oui, quand je me fais toucher alors que j'ai un demi-cœur rouge ou moins, j'ai un bouclier actif de 1 seconde, 5. Du genre. C'est plus lisible qu'avant en vrai. Donc maintenant il y a quand même les trucs au sol. Je suis une merde. Ok. Oh le seum est intégral. Hein. Est-ce que du bon dégât là, ça aurait fait plaisir. Allez! Ah merde, mais non, mais du coup je l'ai utilisé alors que je savais bien que ça allait me donner des cœurs et du coup j'ai plus mon Polaroid actif, bravo Lovo. Ah oui, j'ai le remote detonator. Paf. Ah, joli bombe empoisonnée. En vrai, faut que je prenne le slowdown là. Qu'est-ce que je fais? Et le sablier, ça sera très bien. Ah, le sablier, c'est deux charges. Attendez, mais c'est un slowdown limité dans le temps, non? Non, c'est vraiment beaucoup trop fort. Ouais. Pourquoi la musique elle gueule ici? Oh là là. Ah mais c'est moi qui fais gueuler mon système, ok. Marqué temporaire, ok. Ulilu. Hein? Ah oui, parce qu'il est en incub, incubus. Quel bro. Il s'éclate le petit bum là. Oh le wafer, voilà. Incroyable, réduction des dégâts. Je crois que si je switch d'objet... Ah non, l'effet reste, ok. Ah, en vrai, on veut... Oh merde, je suis con, putain. J'aurais pu lui faire bouffer 10 balles, idiot. Il aurait été très content. Ça, ça vous amuse, ça. Ça, ça doit vous amuser, ça. Ah, le doigt, il peut faire ça. Trop fort, le doigt. On repassera, on repassera.
qu'il y a moyen de farmer la collecte. J'ai le D6 en plus là avec le... ça. On pourra reroll un chest de départ. Si j'ai pas d'Delirium... Ah oui, ça se trouve aussi. Ah, c'est vrai que Forget Me Now peut m'aider éventuellement à avoir Delirium après le Blue Baby si je l'ai pas eu précédemment. Peut-être. Je ne sais pas. Probablement, ouais. Vu que ça doit être un rôle, hein, comme Devil Deal et compagnie. Oh, le Broken Remote. Ça, c'est stupide, hein. C'est pas intéressant, ouais. Que Broken Remote, il amène que dans des salles standards, hein, il me semble. Il permet pas d'arnaquer des choses trop fortes, genre Devil Deal et compagnie. Il y a un Lockcoin là, non? Non. Ah oui, non, on peut pas en avoir avec ça. C'est bien gavé. Le Kibum, vas-y, amuse-toi. Ou alors, tu donnes quoi? Un shot speed up, c'est pas dingue. Ok. J'ai quand même gardé le D6 pour le nouveau chest qu'on va faire. Vous aimez farmer? Les cœurs compost, quand je les perds, ils font pop des mouches, il me semble. Oui, c'est sûr, même. Garde tes clés pour le deuxième chest. Mais je m'en fous, j'ai le lockpick. Depuis tout à l'heure, j'utilise pas de clé. Ok. Ok. Ah, quand je clean les salles, les mouches. Ah, c'est super fort alors. C'est ça que j'ai des mouches qui apparaissent partout tout le temps. Ah oui, c'est trop fat en vrai. Non. Mais non, mais qu'est-ce qui me fait chier à me lâcher des trinkets et il m'empêche de me battre? Con de toi, va. Ok. Ok. Et quoi que si, on peut full clear. C'est même conseillé. C'est même conseillé. C'est quoi les cœurs malades? On a littéralement répondu à cette question il y a une minute. Ok. Hop.
store credit, c'est très cool. Alors. Faudrait que je reroll, mais j'ai envie de tout prendre. Parce que ça va être drôle. C'est marrant, ça les rend pas du tout orbital, mais ils sont énormes. Genre ils startent autour de moi, énormes. Incroyable. Il se passe des trucs. Il est où mon D6 là? Pas de panique. Avec l'explosion si énorme. Bon. Ah, du coup, on n'a pas débloqué grand chose. Enfin, on a des objets qu'on a déjà vus. Ensuite, j'ai voulu grid parce que c'était vraiment trop drôle. Et Orbital Tears, on le saura, c'est fort avec les Onion Rings. Hein. Ne serait-ce que pour éviter de le reprendre par erreur. Le curse taille de mort. 36 pour l'objet relou. Je sais plus ce que ça fait 36. Ok. Superbe. Pour le fameux shop du chest. Un petit joker. Petit joker. Pas du tout. Bon bah c'est... Ce qui serait génial c'est qu'on débloque Delirium. Parce que là on débloque pas d'objets hein, c'est juste de la routine, de la boucherie. C'est qui bum là hein? Oh l'autre il a encore me lâché des dingueries. Oh. Fais un effort là. Petit joker. Le trinket il cancel, mais il cancel quoi? Ah, le trinket cancer, oui. Ça c'est fort. Allez, un petit délirium là. Ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir à la MIF. Let's go!
Ah, ça c'est de la partie. Oh! Oh! Presque en vie, hein. Quoique je sais pas si il pourrait m'amener vers n'importe quel boss, y en prend. Presque envie d'en finir là en vrai, hein. Aïe. Honnêtement. Parce que les unlocks, on les fait tellement facilement en grid mode. Ah, il envoie vers un boss aléatoire. Putain, ma vie pue le sexe. Let's go. Ok. C'est la déception. Ok. Quoi? Mais qu'est-ce qui est vivant? Ah, mais lui! Bravo. Je suis où? Ok. Alors ça, à mon avis, ça va être un délire. Oh là là, électricité, électricité partout. J'ai déjà eu cette connerie là. La pomme de Sodome. Je sais plus ce qu'elle fait. Je crois que c'était cool. Si si. On avait saisi ce que ça faisait et c'était pas mal de souvenirs. Ok. Magnifique, très utile. On fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut. Beaucoup de skill là, beaucoup de skill impliqué. Ok. Quand même mis la bombe pour le souvenir quoi. Ça se trouve il y avait un achievement pour pas se faire toucher dans The Void. Merde, fait chier, j'ai dû me faire toucher. J'aurais dû plutôt faire ça à la fin quand ça s'énerve, vénère. Avec les chill dead tir, c'est tellement incroyable. Tant que c'est des larmes et pas du vomi. Je m'en fous du bag lunch, je pense pas. Ah, saloperie. Le pied nous a surpris. On va utiliser ta mais aussi hein, pour faire des dégâts. Que la fête soit totale. Ah oui, j'ai réduction de dégâts en plus, c'est une honte. Hop, un petit justice, on sait jamais.
du gros skill, hein. Du gros skill vraiment là. Je suis très concentré sur ce combat, je donne tout. You don't. Ah. Allez, ça suffit. Toujours la bonne ambiance. Hein. Ok. Bon bah finalement, on n'aura pas eu Mega Satan. Et ça aurait été dommage de partir sur Mother alors qu'on a fait Boss Rush, Hush, Isaac, Blue Baby, Delirium. 5 unlock. Youhou! Des bisous YouTube. À vite.